Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2. Peut-on tout simplement traverser la map avec, voilà, sauter toute la map avec des véhicules de super-héros? On avait fait Tesla auparavant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel prochain véhicule vous voulez voir, quelle prochaine marque, quel prochain type de véhicule. Voilà, là on va faire les super-héros. Donc après, on a fait Tesla, on peut faire Lamborghini, on peut faire tout ce que vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle, tout simplement, voiture vous voulez que je prenne pour le prochain épisode. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est parti pour tester les voitures de super-héros. On a volé Iron Man, Spider-Man, Venom. Let's go, let's go. Ok, je suis avec tous mes véhicules que j'ai pu voler. Voilà, je les ai volés, je les ai encore en stock, hein, vous inquiétez pas. Et bien du coup, pour le coup, là on a volé pas mal de choses, hein. On a du coup le véhicule de Hulk qu'on a volé dernièrement. On a ici le véhicule de Batman. On a là le véhicule d'Iron Man. Le véhicule de Venom, la Lamborghini. Le véhicule de Flash. On a également là-bas encore la voiture de Venom. Et on a la voiture de Spider-Man juste ici, qui est plutôt belle aussi. En tout cas, c'est vrai qu'on a pas mal de choses à tester. J'ai bien envie de tester tout ça. Est-ce que ça va marcher ou non? C'est ça la question. Et on va commencer tout simplement. Eh bien, les gars, c'est parti. On teste avec la voiture de Hulk. J'ai hâte de voir. Voilà, la voiture de Hulk, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire. Du coup, les gars, c'est parti pour la voiture de Hulk. 3, 2, 1, go! Ok. On est actuellement à 400, 500 km/h, 580, 630 pour la voiture de Hulk. Attention Hulk, est-ce que t'es fort? Est-ce que t'es aussi fort que quand tu m'as des gommes? Mais j'ai l'impression que Hulk, malheureusement, n'a pas un très très beau véhicule, hein. Et Hulk va atterrir tout simplement juste... Oh, oh, attention. Il est allé quand même un peu plus loin, hein, que d'habitude. Bon, par contre, il veut pas du tout se remettre. Le véhicule de Hulk. En tout cas, on est allé ici sur la map. Il nous reste quand même pas mal de chemin pour traverser cette map. Et c'est parti pour tester le prochain super-héros. Le prochain, hein, c'est parti. Let's go, hein, go, go, go. Bon, les gars, il nous reste quand même pas mal de super-héros à faire. Et je me suis dit pourquoi pas tester la BM M4 de Venom. Donc, on est sur une M4. C'est l'ancienne M4, c'est pas les toutes nouvelles, hein, parce que les toutes nouvelles, on n'a pas le même calandre. Donc c'est l'ancienne BM de Venom, tout simplement, qui est tout simplement incroyable avec le We Are Venom juste derrière. Alors techniquement, Venom est puissant. Souvenez-vous dans la vidéo qu'on avait fait, où on avait volé ses véhicules. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la série, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez quel prochain super-héros. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel prochain marque vous voulez qu'on teste avec la traversée de la map. Et on est parti pour tout simplement traverser la map avec la BM M4 de Venom. 3, 2, 1, go! Allez Venom! Allez Venom! Allez Venom! Allez Venom! 500, 600, 700, 800, 900 km/h pour Venom! Et sa magnifique BM M4. Oh my god, on traverse assez plutôt pas mal cette map. Mais malheureusement, pour une M4, on va tout simplement atteindre, où est-ce qu'on est? On est là, sur un bâtiment. On a bon, la moitié du véhicule sur un bâtiment. Franchement, vous validez ou pas les gars dans les commentaires? Regardez, what the fuck. La moitié sur un bâtiment, la moitié dans le vide. Ça, on appelle ça du stunt, on appelle ça là un pro. Voilà, je suis un pro tout simplement. Alors, on est allé ici, voilà, pour ceux qui se demandent. On était juste ici avec la voiture de Hulk. On a fait, j'ai l'impression qu'on a fait un huitième de plus. Enfin, je sais pas comment vous dire. On est quand même pas loin. Mais c'est pas mal. Bien, c'est parti. Nous allons tester la NSA de Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, tu me regardes? J'ai ta voiture, ouais, je l'ai volée, c'est bien moi. Et alors, tu vas faire quoi? Bah oui, parce que t'es plus là maintenant. Hein, je l'ai ta voiture. Hein, elle est là, regarde, elle est là. En tout cas, Spider-Man. Ok, Spider-Man, tu te sens? Tu me sens? 3, 2, 1, go. Allez, 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 s'il te plaît, Spider-Man, tu peux le faire, tu peux le faire. 500, 600, 700, 900 km max pour Spider-Man. Qui traverse la map de GTA 5? What the fuck? What is this shit? Ah ouais, Spider-Man, c'est quelque chose quand même. Spider-Man, qui quand même traverse plutôt bien la map. Est-ce qu'il va traverser Vinwood? C'est ça la question. Non, 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 j'ai l'impression qu'il va peut-être atteindre Vinwood. Il atteint peut-être le... Ouais, presque, presque. Ah, quand même. Attention avec le saut, peut-être. Ah! Spider-Man qui, du coup,
va à peu près ici sur la map. Oh, c'est vraiment pas mal comparé à avant. comparé à Venom la BM, là il est quand même allé loin. Il nous reste pas mal de choses à faire. J'ai hâte de voir les prochains véhicules parce que là, honnêtement, il a relevé le niveau hein, ce véhicule. Alors, allons tester Iron Man. Ok, let's go. La R8. Le Iron Man, Tony Stark. Hey, Tony Stark, tu me regardes, je te regarde. Ouais, j'aime bien ta R8. Hein. On a une putain, la Veneno, après j'ai hâte de la tester, la Batmobile aussi. Et la Bugatti Bolide aussi. Eh bien, 3, 2, 1, Iron Man, let's go. Iron Man, 400, 600, 700, 800, 1000. 1000 km/h. What the fuck. 1000 km/h. Tout simplement. Pour la voiture de Iron Man, ouais, Iron Man, je te pensais quand même un peu plus puissant que ça. Alors, je vais tester une deuxième fois avec la voiture d'Iron Man, parce que je pense qu'elle peut faire mieux que ça, les gars. On va tester une deuxième fois, parce que là, on n'a pas atteint si fou que ça, les gars. Bon, deuxième test pour la R8 d'Iron Man. Allez, tu peux faire quelque chose, peut-être 3, 2, 1, go. Ok, deuxième test. 1000, est-ce qu'on va atteindre plus que 1000 km/h? Eh bien, j'ai l'impression que oui. On a fait plus que 1000, mais malheureusement... ah ouais, la R8 d'Iron Man, je la voyais un peu plus supérieure à ça quand même, les gars. Hein. Franchement, je la voyais vraiment plus supérieure du tout à ça. Et malheureusement, j'ai envie de dire... eh bien, elle n'atteindra... pas grand chose cette R8 de Iron Man V10 pardon, la R8 qui tombe ici sous les balles. Elle est un peu plus loin, mais bon, voilà, c'est pas ok les gars. Testons la voiture de Venom, la Lambo de Venom. Est-ce que cette Venom peut nous surprendre? Cette voiture de Venom peut nous surprendre, c'est ça la question. Parce qu'on est quand même sur une Lamborghini qui est magnifique, on a une Bugatti juste après. Et bien c'est parti pour tester la voiture de Venom. 3, 2, 1, go la Lamborghini, allez la Lambo, 1000, faut que tu fasses plus, 700, 800, 900, 800, 1200 km/h pour la voiture de Venom, qui malheureusement, eh bien, n'est pas ouf que ça. Alors peut-être que c'est parce que j'ai cogné le mur, je sais pas du tout, on va retester une deuxième fois les gars, mais en tout cas, elle a pas l'air de foncer, elle a pas l'air d'être si ouf que ça, on va attendre à peu près, ouais. Le commissariat de police, tout simplement, à peu près. Bon, la place centrale, le parking central, les gars. Enfin, parking central, vous m'avez compris, quoi, pour ceux qui jouent RP. Ok, donc c'est ici. Allez, deuxième test. 3, 2, 1, go. Ok, 800, 900, 900, 500, 600, 700, 1300, 9, 1200, 1000... On a fait à peu près 1400 km/h. Ah, là, j'ai l'impression qu'on va aller un peu plus loin, quand même. Je pense qu'on va aller un peu plus loin, quand même. Mais c'est pas ouf. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu de la Lamborghini de Venom. Oh my god. Je la pensais beaucoup plus hard que ça, mais on atteint à peine le casino de GTA V. Et malheureusement, on va tomber ici. Ouais, on va tomber là. Ok. Eh bien, du coup, nous aurons atteint un peu en dessous du casino. Bon, on va tester les deux dernières, les gars. C'est notre dernière chance, les gars. Dernière chance. Ok, les gars. Nous sommes avec la Bugatti de Flash. Alors, techniquement, Flash, je pense que c'est lui. Je vais miser sur lui. Parce que Flash, pourquoi Flash? Parce que Flash, il va vite. Donc, techniquement, ses véhicules vont vite. Donc, techniquement, il peut traverser la map. Donc, ça, c'est à voir. Let's go. La Bugatti Bolide de Flash. 3, 2, 1, go. Oh shit. Oh my fucking god. What the fuck? Où est-ce qu'on est, les gars, s'il vous plaît? Où est-ce qu'on est? What is this shit? Regardez, s'il vous plaît, on est où? On a atteint le ciel, mais abusé. Mais on peut pas traverser la map. Alors, je pense qu'on peut la traverser, les gars, si je prends bien la rampe. On va tester une deuxième fois avec cette Lambo. Ok, les gars, on est parti avec la voiture de Flash pour le deuxième test. 3, 2, 1, go. Ok, 1400, 1700 km/h. What the fuck? What is this shit? Alors je crois que la rampe on l'a un peu mal prise, malheureusement pour elle. Donc on va retester une deuxième fois.
Ah ouais, je crois qu'on va aller plus loin. Regardez, on est où déjà là? Regardez, on est où? Par contre, ouais, la rampe, elle a été un peu mal sautée. Donc, on va retester une troisième fois, les gars. Troisième test avec la Bugatti. Deux, flash, trois, deux, un, go! My gosh! Waouh! Waouh! Waouh, la Bugatti de Flash, les gars. What the fuck, la Bugatti de Flash. Oh, les shit, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que la Bugatti de Flash, je vous avais dit. La Bugatti de Flash, elle bégaye pas. Je vous ai dit, la Bugatti de Flash, c'est Flash. Flash, c'est Flash. Flash. C'est planche, planche, c'est planche, planche, c'est planche, planche, c'est planche, 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 planche. Pouh! La map est traversée! Flash, t'es trop fort. Flash, je te le dis, il est fort. Voilà, Flash, je le savais. Je savais que la Bugatti de Flash allait traverser la map, je vous l'ai dit. Il faut juste bien prendre la rampe. On prend bien la rampe, on traverse la map. En tout cas, on l'a traversée, il ne reste plus qu'un véhicule à tester. Let's go. Eh bien, c'est parti pour tester le véhicule ultime, la Batmobile. De Batman, la Bat Forever. 3, 2, 1, go! What the fuck? C'est quoi cette Batmobile qui part complètement? Mais attends, elle est partie à l'aéroport là. Alors là, je comprends pas, je crois qu'elle traverse la map, mais vers la gauche. On va retester une deuxième fois, mais ok, pourquoi pas. Allez, deuxième test pour la Batmobile. 3, 2, 1. Je crois qu'elle a pas du tout tenu de route, je sais pas ce qu'elle a. Et c'est parti! Ouais. Ah ouais, non, mais c'est dégueulasse. Horrible. La Batmobile est horrible. On peut même pas rouler avec. On peut même pas rouler avec. Je suis déçu de cette Batmobile. Déçu, 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 déçu. Vraiment très, très déçu. Eh bien, écoutez, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez déjà fait. Activez la cloche. Et, les gars, franchement, j'avais donné espoir quand même à la Batmobile. Malheureusement, elle a pas fait fureur. Mais en tout cas, Flash, il est parmi nous. Spider-Man aussi, attention. Spider-Man. Très très bon véhicule également, il est bien, il est comme assez loin, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, pour l'instant, avec quelle voiture peut-on traverser la map? Eh bien, ça sera la Bugatti Bolide de Flash. Flash, il va vite, il traverse la map, il est fort, il est trop fort, voilà, tout simplement, il est trop fort. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle prochaine marque, quel prochain type de véhicule vous voulez que je teste pour le prochain épisode, qui sera dimanche prochain. Et moi, je vous dis à tout à l'heure, ciao, ciao!